بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، طلابي طالباتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، parce que la vidéo sortira du cours. أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis. Vous, vous n'êtes pas mes ennemis, mes étudiants, qu'Allah vous bénisse. Je suis votre étudiant et vous êtes mes étudiants. On apprend l'un de l'autre, alhamdoulilah. On apprend ensemble dans le respect, la fraternité islamique, le bonheur ultime d'être musulman, alhamdoulilah, la joie et le bon humeur. Mais, comme vous savez, comme tout être humain, j'ai des ennemis d'abord parmi les musulmans. Je vais même dire surtout parmi les musulmans. Et j'ai d'autres ennemis aussi. Donc je dis d'abord assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne tolérance, bonne capacité à vivre ensemble, bon sens des responsabilités, bonne intransigeance, bonne souplesse, bonne détermination, bonne joie de vivre. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guider et ses délices. Plus besoin de dire que j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité humaine, beaucoup de gratitude envers nos frères et sœurs qui ne sont pas musulmans partout dans le monde. Donc nous devions faire un cours que on a intitulé, que j'ai intitulé J'escalade, mais en face de cette escalade de la haine, de la violence, de la bêtise pure et dure, de la terreur, de la folie meurtrière, j'ai voulu exprimer encore et encore et encore des pistes de pensée. La vôtre, Inch'Allah, pour que chacun de vous m'écrira ce qu'il veut, ce qu'il veut, comment il voit, lui, ce type de choses qui se produisent. Et j'essaierai de les lire, Inch'Allah, et j'essaierai d'exprimer. Dépenser. Pour continuer, Inch'Allah, à cheminer vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et vers une compréhension de sa religion qui bannit l'injustice sous toutes ses formes. Vous êtes là ou pas? Al antum ma'ana ya ayyuha talamidu est talamidu. Est-ce que vous êtes là? Ya marhaban Maryam Limouni. Ya marhaban yusra. Donc écrivez ce que vous voulez par rapport à cette histoire, à ce carnage, dans le siège social de Charlie Hebdo, où des faux furieux qui se sont enfuis d'un asile de psychopathes ont décimé 12 personnes lâchement, bassement, minablement. Moi, je lis ce que vous, des choses sur lesquelles nous devons mériter, en attendant que vous nous dites, Inch'Allah, ce que vous voulez. Il était 4 heures du matin lorsque la mort frappa à la porte. Il était 4 heures du matin, donc le cours était de traduire cette poésie très connue sur Internet, très ancienne sur Internet, en arabe littéraire, pour que les étudiants de l'Oasis bouclent la boucle.
Ça, ce n'est pas simple. Vous n'aurez pas dans ça dans les centres de formation. On vous demandera toujours de traduire de l'arabe au français. Là, l'idée, c'est de traduire du français à l'arabe et de trouver les mots sans dictionnaire, sans rien, de les trouver. Donc, tant que tu n'as pas ce niveau-là, c'est pas ça que j'attends de toi, mon ami, et c'est pas ça que tu dois attendre de toi-même. D'accord? Tu dois partir de ta langue maternelle vers ta tête pour trouver ta langue du cœur, l'arabe littéraire. Ça marche. Donc, on devait faire ça, mais j'ai décidé, si ça vous dérange pas, Inch'Allah, d'échanger avec vous. Samir, donne-moi ton texte, écris-moi ce que tu veux sur ces gags qui se produisent tous les jours et sur ces discussions stériles que nous regardons par-ci, par-là. Tu parles de la Palestine. Pourquoi tu n'as pas parlé du Sénégal? Tu ne parles jamais des Noirs. Tu parles d'un attentat. Pourquoi tu ne parles pas de ce qui se produit en Palestine? 12 personnes sont mortes, mais qu'elles partent en enfer. Elles ne m'intéressent pas. Moi, je vis dans la planète Mars. D'accord? Moi, je suis seul. J'ai déjà atteint la planète Mars. L'humanité essaye, met des milliards et des milliards et des milliards, met de l'énergie pour atteindre la planète Mars. Moi, je suis déjà dedans, moi. Que les gens meurent, ce n'est pas mon problème. Les gens meurent d'accidents de voiture, les gens meurent dans des accidents de voiture, dans des accidents d'avion. Dans des crashs, ils meurent de maladies, ils meurent de tout et de n'importe quoi. Pourquoi vous faites tout un plat? Sibu. Moi, je ne veux pas dire autre chose que Sibu de ça. Discutons. D'accord? Dites-moi ce que vous voulez. Moi, je veux parler. Allez. Moi, je veux discuter. Je ne tue pas quelqu'un qui fait un dessin. Non. Je ne veux pas tolérer ça. Oui, mais si ça s'est produit à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, donc tu es déjà parti loin. Si ça a été produit, donc, tu ne me dis pas. Et si ça a été produit, ça c'est pas mon problème à moi, là. Je suis dans mon contexte à moi. Moi, je vis maintenant dans mon contexte à moi. Ah, donc l'islam n'est pas valable à ton contexte à toi. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a prétendu? Donc, est-ce que vous avez des choses à dire? Donc, en attendant, il était 4 h du matin lorsque la mort frappe à la porte. Qui est-ce? S'écria l'homme hébété. Je suis l'ange de la mort. Laisse-moi donc entrer. Alors l'homme se mit à trembler, compris d'une fièvre subite. Il cria à sa femme endormie. Ne laisse pas me prendre la vie! Ne laisse pas me prendre la vie! S'il vous plaît, ô ange de la mort, laissez-moi, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Ma famille vit à mes dépens. De grâce, ton acte suspend. Déjà, l'ange de la mort se tenait au seuil de sa porte. Ô mon ami, l'ordre d'Allah ne peut être différé. Prépare-toi pour ta tombe. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Je te couvrirai d'or, je te couvrirai d'or, mais épargne-moi la vie, épargne-moi la tombe sombre, mais épargne-moi la tombe sombre. Pourquoi as-tu peur, ô homme, de mourir selon le vœu d'Allah? Viens, souris-moi et ne t'attriste point, ne t'attriste point. Ils sont là ou pas? Je les ai déjà assommés. On va voir s'ils sont là. Ya imam ar-rusli, ya sanadi, ya marhaban amina kliti. Marhaban amina. Que dire, on vit dans un monde de fitna? Comment différencier le vrai du faux? Dans tout ce qui est dit. Des gags pour au centre les musulmans. Allahu a'lam. Ah, des gags pour ou contre. Des gags pour ou contre les musulmans. Allahu a'lam. Rien de justifié. Rien ne justifie le meurtre gratuit comme ça.
On n'est pas dans un pays d'anarchie ou de guerre civile. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté pire et aucun sahabi n'a réagi comme ça. Bref, les répercussions vont encore tomber sur les musulmans qui aspirent à vivre en paix. La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Mais, ya Maryam, Jazakallah kulla khair pour ton témoignage, qu'Allah te bénisse. Mais nous devons dire qu'il y a une origine, qu'il y a une origine à ça. Donc il y a les fatwas contre Charlie Hebdo. Il y a des textes. Il y a un livre sur Internet de 1200 morts, de 1200 pages minimum. Il y a une infinité de pages sur Internet. Mais il y a 1200 pages qui n'appellent qu'à ça. Il y a des gens qui se préparent. J'avais lu un livre en 2 nuits maximum. Je l'ai lu tellement je pensais que j'avais atteint un peu la bassesse, un peu des humains. Mais avec ce livre-là, j'ai encore vu des choses que je n'imaginais pas. Il y a des gens, le fameux livre qui est sorti il y a 2, 3 mois, Les réseaux d'Al-Qaïda en France. Les réseaux d'Al-Qaïda en France. Donc ils sont là, des gens, de la masse, bien intégrée, propre sur eux-mêmes, vraiment très bien intégrée, qui ne prient pas, qui boivent, qui boivent, qui sont vraiment le pur non-musulman de temps moderne, et qui attendent un ordre pour tuer le maximum de personnes. Pour faire des carnages. Et dans une seule planque qu'ils ont, il y a au moins 30 millions d'euros d'armes. Ah bon, maman, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon, maman, tu parles la tête. Juste dans une planque, il y a au moins 30 millions d'armes. Lisez le livre. Oui, mais ce sont les ennemis d'Allah qui écrivent. Lisez le livre, vous allez être étonné. Et ça ne m'étonne pas, tout ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a une origine sur laquelle nous avons mis le mot fatwa. Faire des fatwas aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que déjà une fatwa à la base? Un avis juridique, oui, mais qu'est-ce que c'est que? Il y a un récemment, là très récemment, il y a quelques jours, de l'Arabie Saoudite qui dit nous avons le droit de forniquer avec des femmes mariées. À partir du moment où elles sont consentantes, sont d'accord, et leurs maris ne font pas le nécessaire sexuellement. Nous avons le droit. C'est une fatwa. C'est une fatwa. D'un savon. Savon, savonnette. Je sais pas. Ah oui, savon. Qui n'arrête pas de faire parler de lui. Il avait même sorti une fatwa, lui aussi, encore. Fatwa, avis juridique. C'est beau, fatwa. Deux, on a le droit de coucher avec nos maharim. J'ai le droit de coucher avec ma mère. J'ai le droit de coucher avec ma fille, ma soeur, ma tante. Quand je fais le jihad, les moujahidoun de la Syrie ont le droit de le faire s'il n'y a pas assez de chair. S'il n'y a pas assez de morceaux de chair. S'il n'y a pas assez de femmes, on a le droit de coucher avec nos maharim. Fatwa. Fatwa. Il y a un autre que vous connaissez sûrement. Il y a quelques années, vous savez ce qu'il a imaginé. Fatwa aussi, on appelle ça fatwa. Ben lui, il a imaginé qu'on a le droit de coucher avec nos épouses. Jusqu'à là, vous allez me dire, normal. 4 jours après leur mort. C'est une fatwa. D'un savon ou savonnette. Donc là, il y a vraiment un problème de fond. Donc il ne faut pas. Éric Zemmour, quand il dit le problème n'est pas les musulmans, le problème c'est le texte lui-même. Le texte lui-même, on sait tous qu'il ne pose pas de problème. Il n'est pas égalé, il n'est pas comparable à ce que l'humain peut produire. C'est divin, le Coran. Mais nous avons là, nous avons des gens qui, aujourd'hui, qui se sont bien installés dans leur main, même s'ils sont minoritaires, ils ont des porte-drapeaux,
Ils ont des porte-étendards, ils ont des endroits pour parler, ils ont des milliers de personnes qui les aident, surtout sur Internet, et qui déforment aujourd'hui les choses. Donc, comment remédier à ça? Comment faire Yamariam pour éviter que ton fils, je ne sais pas si c'est toi qui as sagesse comme fils ou ta sœur, comment faire pour éviter, Inch'Allah, que ton fils se noie dans ce type de malheur? Barakallahu fiki, ya Maryam. Je suis écœuré, dégoûté, car ce sont encore des musulmans qui ont fait ça. Quoi qu'on dise, et qu'actuellement, les musulmans sont impliqués dans la plupart des conflits, attentats dans le monde. Hier, nous avons eu notre septembre 2001. Et je m'attends à nouveau au déni du musulman habituel, qui va accuser le FBI, la CIA, les extraterrestres, au lieu de se faire une autocritique. Car ces gens, quoi qu'on dise, viennent de notre Ummah. Quelque chose ne tourne pas. Qu'Allah nous guide et nous apporte de l'aide, car il va falloir des années de da'wah pour préparer, pour réparer ce que ces deux choses ont fait hier. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde le fardeau. Samir. Non. Non, à l'instant qui a suivi, à l'instant. Ne l'a même pas touché, le policier. Le policier, la balle, ne l'a même pas touché. Comme bleu. Et subhanallah, je fais de la psychologie à bas étage. Je commence à me dire que ces gens-là qui crient comme bleu partout, et ça se confirme même. C'est même pas que je commence à me dire, je les vois, je les observe. Ils sont instables psychologiquement. Ils vivent dans l'image de l'instabilité psychologique. Je vais vous le dire. Pensez que le mal est là, c'est même pas la peine de le penser. Le mal, il est là. Je l'ai toujours dit, alhamdoulilah, et c'est pas moi qui le dis, c'est normal, ça, c'est vraiment normal. Tranquille. Le mal, il est là, et il fait son travail. Les forces du mal, elles sont majoritaires, elles font leur travail. Tranquille, ça. C'est pas ça qui me pose problème. Mais là, il y a eu des morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des familles qui pleurent. Oui, mais vous mettez la main. Mais il y a des morts partout. Non! Et je ne suis pas au courant de toutes les morts de la planète. Moi, je vis dans un endroit, dans un contexte donné, où le monde a beaucoup, 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 beaucoup changé. Un Kuala rôde. Un Kuala rôde. Au désert, toute la planète est au courant. Le monde est devenu un petit village. Non, les gens sont individualistes, seuls, tristes, malheureux, mais le monde est quand même un petit village. Le monde, quoi qu'on dise, aspire à des valeurs, d'élévation de l'âme. Le monde est comme ça. Le monde veut la paix. Même s'il produit la violence, mais il aspire à la paix. Donc il y a un alphabet qui s'est créé. Il y a un alphabet des valeurs qui est là, alhamdoulilah, depuis Adam, il sera là jusqu'à la fin des temps, et qui a été élevé par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est là, que l'humanité essaie de retrouver. Un alphabet de paix. Elle essaie maladroitement, mais elle essaie quand même. C'est comme boire de l'eau, ça devient comme boire de l'eau. On ne peut pas supporter de voir des gens massacrés pour Walou. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur qui a été massacré? Oui, mais il a vu un dessin contre les prophètes. Mais c'est bon. Il a fait un dessin contre les prophètes. Mais est-ce qu'il n'a fait que ça? Est-ce qu'il n'a pas été conditionné depuis sa naissance, depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans, depuis surtout 300 ans, on va dire, les années-lumière, que voilà, il a le droit de s'exprimer.
Il a le droit de dire ce qu'il pense. Il consacre 1% à la religion, chrétienne, musulmane, juive. Il consacre 2% au 10%, au 20% au social. Il consacre 15% à la politique. Il consacre 12% à autre. Il vit sa vie. Il s'exprime. Maintenant, est-ce que moi je suis d'accord avec sa liberté d'expression? Là, moi je suis pas d'accord. Et toi, tu n'es pas d'accord. Très bien. Mais je dois l'exprimer moi aussi avec un dessein. Je dois l'exprimer avec un texte. Je dois l'exprimer autour d'un café avec un argumentaire. Je dois travailler, divorcer avec la flemmardise, la fainéantise, et travailler, œuvrer pour changer les choses. Et le musulman est productif. Il a toujours été productif. Et toute sa vie, il ne fait que produire le bien et minimiser, baisser le mal. D'accord? Donc, qui plus encore, stop! Ça donne des indications sur toi, sur le délabrement qu'il y a à l'intérieur. Qu'un plus, ça c'est réglé. Il y a des gens qui vont utiliser ce qui s'est passé pour le mal, oui. Charlie Hebdo était à l'agonie financièrement. Il n'intéressait plus grand monde. Et ils ont été essoufflés. Le monde aussi évolue. Et n'a plus besoin de ce type de manière de choquer, de provoquer des gens. Donc aujourd'hui, grâce à ces deux lascars, à ces deux imbéciles fous furieux, que s'est-il passé? On va renflouer les caisses de Charlie Hebdo et on va l'aider, on va le subventionner, les dons vont pleuvoir, ils vont recevoir des millions d'euros. Et tout le monde est Charlie Hebdo. On va oublier le nom de ces imbéciles. On va les oublier, les pauvres, ou les imbéciles. Ou ils vont être tués. Ou ils vont être emprisonnés. Mais qu'est-ce qui va rester? La seule chose qui reste, c'est quoi? Dis-moi, les musulmans sont mauvais, là. Les musulmans, on sait que tout au long de l'histoire, il y a eu du bon et du mauvais chez eux. C'est pas mon problème, ça. Ils sont humains. Qu'est-ce qui va rester? L'islam est barbare. Le Coran est barbare. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Allah réserve et nous donne l'ordre dans le Coran de... Je peux même pas traduire. Par la pendaison, peut-être crucifié. Pourquoi Allah nous ordonne dans le Coran de faire une sorte de crucification des gens qui propagent le fassad dans la terre? Allah est miséricordieux. Mais pourquoi il nous dit wa tusallaba arjuluhum wa aydihim min khilaf? C'est-à-dire qu'il faut les crucifier, il faut clouer leurs mains, leurs pieds, et il faut les crucifier comme ça. Pourquoi il réserve cette punition, ce châtiment aux gens de la façade? La façade, c'est quoi? Mais si ce que ces gens-là ont fait n'est pas la façade, je me demande ce que c'est que la façade. La façade, c'est l'ordre. Venir lâchement. Dites-moi des mots parce que j'arrive pas à trouver des adjectifs qu'il faut mettre. Je suis dépassé. Lâchement. Ah, moi, je pense que le voleur, on parle dans les médias, petit larcin, ils disent petit larcin, il a commis des petits larcins. Moi, je considère que le vol est un viol. Et c'est pas moi qui le considère. Et le voleur est un violeur. Le voleur est un minable. Il a fait le façade. Le voleur qui vole une barrette de chocolat dans une grande surface est un violeur minable bas.
où il y a eu une mutation de l'âme pour qu'il commence à faire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs, malheureusement. Imagine quand on parle de tueurs de masse qui tuent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont d'une bassesse étonnamment étonnante, subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils ont tous le même profil. Des malades mentaux qui n'ont rien à voir avec le strict minimum de l'islam, qui ne l'ont pas pratiqué, qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas vécu, qui ne l'ont pas senti, qui ne l'ont pas respiré. Walou, des anciens dealers, vendeurs de shit, frustrés à mort, maladroits, mauvais, qui parlent mal, qui se comportent mal, qui n'ont eu aucun respect pour personne toute leur vie, et qui ont braqué, qui ont volé, qui ont fait des choses très mauvaises, et qu'à un moment donné de leur désillusion malheureuse, ils ont voulu mettre un certificat islam pour aller récupérer des hours, pour aller récupérer des hurlines. Masha'Allah, que c'est beau, hein? Pourquoi pas? Il y a de tout dans le monde. Concernant ce qui s'est produit hier, donc on parle toujours de ce jour où des journalistes ont été tués pour leur dessin ou à cause de leur dessin. M'a terriblement choqué. J'ai pas de mots, j'essaie de comprendre pourquoi, avoir agi de la sorte. Et ce qui m'a fait rire ou pleurer ou autre, c'est que ces minables croyaient se venger. C'est pas du prophète, c'est pour le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, bonne celle-là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait agréer cette bassesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait jamais au mal par le mal. Je crains le jour du jugement dernier où ces meurtriers seront face à celui auquel il prétendait défendre. Malheur à ces misérables, ils n'ont pas tué 12 personnes, mais toute l'humanité, qu'Allah nous guide, qu'Allah vous bénisse à ça. Ça, c'est Yusra, jazakallahu kulli khair. Non. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on médite sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand on médite sur les gens qui ont vécu à son époque, et les gens qui ont porté l'islam partout dans le monde, on voit un Omar pleurer des nuits et des nuits. On voit un Abu Bakr Siddiq pleurer. On voit un Ali ibn Abi Talib pleurer pour l'humain, pour le non-musulman, pour l'animal. Pour un contexte. Et on voit des gens qui se sont donnés entièrement à une cause. Et ces gens, l'humanité n'a pas pu les connaître, subhanallah. Ils se sont produits une seule fois dans le monde. Dans tous les mondes. Les sahabes, les étudiants formés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont ouvert leur cœur au Coran et à la Sunna. Et à la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont vu vivre l'islam, qui l'ont vu sentir propager l'islam. Quand tu parles de Mus'ab ibn Umayr, quand tu parles de Mus'ab ibn Umayr, pour lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, Mus'ab qui était le raffinement. Le raffinement par excellence. La fashion tendance par excellence avant l'avènement de l'islam. Et quand tu vois le jour où il a embrassé l'islam, ce qu'il est devenu et ce qu'il s'est déployé à faire. Premier ambassadeur de l'islam, Mus'ab ibn Umayr, envoyé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madinah al-Munawwara. Et c'est lui qui a été la cause de la reconversion des premiers socles de l'Madina al-Munawwara qui ont permis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer.
Est-ce qu'il est parti les tuer? Les coups forts de Médine. Les mécréants de Médine. Il est parti discuter, argumenter, marquer, propager. Et on me dit, on a vengé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi je leur dis à ces gens-là, subhanallah. Mais déjà, il faut que tu sois toi-même un mutant. Wallahi, il faut qu'il y ait un délabrement dans ta tête, dans ton cœur, de croire, juste d'accorder une importance à une image avec un homme barbu, cigare dans la bouche, avec deux, trois explosifs sur la tête. Déjà, pour faire le lien, même si on te met le mot Mahomet dessus, juste de faire le lien, juste un once de seconde. Un once de seconde, imagine. Moi, je te dis franchement, du coup, ça va, il n'y avait qu'une franchise pure et dure, je te dis. Personnellement, ça s'est jamais produit. Dans ma tête, jamais, c'est pas possible. Je ne vois même pas ça. Je vois qu'il résume, non, des terroristes, des temps modernes, pourquoi pas? Non, cigare à la main, il fornique la veille, il fait exploser le World Trade Center 3 jours après. Oui. Il ne prie pas. Il est malade mental, frustré à mort, quel que soit ses diplômes, frustré à cause d'une histoire d'amour, par exemple, à cause de quelque chose. Ah, il s'est fait manipuler le pauvre. Il a démissionné du cerveau et du cœur, on a joué avec. Pourquoi pas? Les caricatures, au plus, elles résument des productions modernes, des musulmans de temps moderne. Mais faire le lien avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, il fallait déjà quelque chose dans la tête et dans le cœur. Et tuer ceux qui ont fait ça, lever de bouclier mondial. Hein? Tu les as renforcés. Et tout le monde s'identifie à Charlie Hebdo aujourd'hui. Je sais qu'ils s'identifient même en désaccord. On doit être honnête. Il veut dire quoi? Il veut dire que tu as tué en moi cette liberté qui m'a conditionné toute ma vie. Cette liberté qui fait que je ne veux plus entendre parler de Hitler. Que je ne veux plus entendre parler de ce qui s'est passé en Europe. C'est ma liberté. Mon cheminement à moi a fait que je ne veux pas que les gens passent aux armes. Je veux exprimer ce que je veux par un dessin, par un livre, par... C'est une manière de voir les choses. Elle s'est imposée dans le monde. Elle est là. Et en elle, il y a des valeurs islamiques aussi. Dans elle, il y a des valeurs islamiques. Il n'y a pas toutes les valeurs islamiques, mais il y a quand même une grande partie des valeurs islamiques qui prônent le respect de l'autre, quel que soit ce qu'il pense. Et quel que soit ce qu'il dit. Et Rasulallah avait dit le grand-père des Khawarij. Hadi qismatun lam yurad biha wajhullah. Avait dit un homme à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadi qismatun lam yurad biha wajhullah. Ittaqillaha ya Mohammed. Crains Allah, ô Mohammed. Billahi alaykum. Si moi je te dis dans la mosquée, le haram en plus, ittaqillaha, tu me gifles. Si je te dis toi, X ou Y, dans la mosquée, le haram, et taqillah, tu le gifles, parce que tu prends, et taqillah comme une insulte. Mohammed l'a reçu, cette phrase, et taqillah, qui est bonne finalement, qui ne pose pas de problème. Mais dites à Mohammed, elle pose problème. Dites à moi, Allahumma je dois essayer de craindre Allah, non. Mais la même phrase dite à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle pose problème, surtout quand il y a derrière ou avant. C'est une répartition, c'est une distribution que tu as fait par laquelle tu n'as pas voulu la face d'Allah. Imagine ce qui a été dit à Mohammed. Est-ce qu'il y a pire? Est-ce qu'il y a un dessein qui n'a rien à voir avec lui en plus, qui n'a pas été dans son contexte à lui, qui ne pose pas de problème?
Là, c'est le vécu. Il l'a vécu en direct. Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a craché? Est-ce qu'il a fermé la bouche? Est-ce qu'il a mis une muselière pour fermer la bouche de celui qui l'a lancé? C'est hypocrite. Rappelez-vous, Khalid s'est levé. Et là, on se forme, nous. Khalid, comme nous. L'hamiya du cœur. Ah non, non, tu dis pas. Bismillah. Est-ce que je le décapite? Ou Omar, ou les deux, dans la version. Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? Non. Non. Peut-être il prie. Khalid dit, mais il prie, mais beaucoup de personnes prient, alors que le cœur. Et Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas là pour aller chercher ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, il faut revoir nos manières de faire. Il y a un délabrement. Moi, je vais vous dire le problème, c'est où? Et il y a un vrai délabrement d'abord dans le musulman lui-même. Il est délabré. Il ne comprend pas son monde. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Ce monde-là de l'Internet, de l'Ihata, du Shumuliyya, le globalisme, la mondialisation. Le musulman, aujourd'hui, sans vouloir généraliser, est une mutation qui ne sait même pas qu'est-ce qui s'est produit dans le monde, qui n'arrive même pas à comprendre. Il est complètement dépassé, le pauvre. Donc, répercussion sur le musulman, dans son âme à lui malheureuse, dans son entourage, dans sa vie. Il est quelque chose de bizarre, de bizarre. Donc, il faut le revoir. Il faut le revoir, le pauvre. Il faut l'analyser, il faut s'entraider avec lui pour qu'on avance vers au moins une compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et les manières avec lesquelles nous pouvons et nous devons faire vivre notre monde et avancer avec notre monde sans vouloir le détruire. Mais nous avons déjà détruit nos blagues. Pourquoi vouloir détruire plus? Nous avons déjà détruit nos blagues. Des richesses infinies, mais une pauvreté infinie. Des moyens colossaux, mais une arriération colossale. Et une religion qui parle dans toutes les mosquées, mais un niveau de corruption qui n'a jamais été égalé dans aucun pays autre. Dans les pays du Koufar, je vous dis, c'est des enfants de cœur à côté de chez nous au niveau de la corruption. Un racisme sans limite, subhanallah. Donc nous avons déjà délabré le pays. Et on veut délabrer d'autres pays. Bon, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Et c'est la faute de Charlie Hebdo sur lesquels on doit se venger. La hawla wa la quwwata illa billah ya oustaz, c'est une horreur, il n'y a pas de mots. C'est malheureusement des gens qui n'ont pas compris ce que c'était l'islam. Des gens manipulés, subhanallah, j'ai du mal à croire qu'il y ait des imams qui appellent à la violence, à la vengeance. Wallahu a'lam, qu'Allah nous livre. Qu'est-ce que c'est que le mot imam lui-même? Est-ce qu'il a existé à l'époque de... Moi, je suis imam. Imagine Omar ibn Khattab qui dit, moi, je suis imam. Et toi, Abou Bakr, tu es imam ou pas encore? Ali, toi, tu le sens bien, imam ou pas? Ce n'est pas le passé. Il y a des mutations, il y a des produits bizarres que je vous dis vraiment, qui sont inférieurs pour les valeurs humaines. Vérifiez, allez, vérifiez. Dans les valeurs, le socle humain qui fait vivre les gens ensemble. Il y a des gens, malheureusement, de chez nous, qui ont vu dans le Coran, qui ont sorti dans le Coran et de la Sunna, des valeurs de terreur, d'atrocité, de méchanceté, d'injustice, de non-fitra, de bestialité, de férocité dans le mal. Et que ces gens-là, subhanallah, quand tu les observes bien, ils sont inférieurs. On parle pas du cœur, mais ils sont inférieurs au niveau de ce qu'ils projettent, au niveau de ce qu'ils expriment, ce qu'ils vivent, que ces gens qu'ils ont tués de Charlie Hebdo. D'accord?
Je tombe malade. Allez, je tombe devant le bureau de Charlie Hebdo. Je tombe. Billahi alaykoum. Est-ce qu'a bu, par exemple, à 75 ans ou 76 ans, est-ce qu'il ne va pas venir courir vers moi pour m'aider? Ou est-ce qu'elle va dire, et j'ai déjà fait un dessin sur lui, c'est un intégriste, radicaliste, mauvais, de par sa barbe. La question. Maintenant, le contraire. Camus tombe devant ce type de personnage malheureux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, bien fait pour toi, sale gueule. Et tu attaques le prophète Mohammed. Tu mérites même pas la vie. Mais en disant ça, subhanallah, mais imagine quand tu vis avec des gens, et ça qui est extraordinaire. Moi, je suis dépassé, je vous dis. Moi, je suis dépassé. Moi, je suis un tofaillion. Un tofaillion. L'imam. Allez, je suis un imposteur. Je suis un imposteur. L'imam. Entre guillemets. Moi, c'est pas ma culture. C'est même pas ma culture, moi. Moi, j'ai une autre culture qui n'a rien à voir avec ces là-haut. Et vraiment rien. Ce qui me dépasse, c'est que ce sont des gens qui sont nés avec eux. Ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas comment Camus peut penser. Quels sont les ressorts, les mécanismes, le socle derrière. Et ils ne comprennent même pas. Ils voient en ça une méchanceté. Un mépris de l'islam. Alors que c'est pas ça. À 99%, ce n'est même pas ça. La personne vit pour combattre des choses qu'elle pense mauvaises. Elle lui dit, moi je respecte les musulmans. Je mange avec eux. Ma fille est mariée avec un musulman. Et ça n'a pas posé de problème. Au contraire, je l'accepte. Et je rayonne avec lui. Je l'invite. J'ai des entourages musulmans. Je voyage dans des pays musulmans. Je respecte la religion musulmane. Je pense que Mahomet est un être à part. Et il peut nous dire, Wallahi, nous avons rencontré une tonne de ces personnes-là. Et j'ai eu des mails d'une tonne de ces personnes-là. Même des juifs, même des sionistes, même ce que tu veux. Mais il va dire, voilà. Mon socle de valeur à moi, mon système de pensée, fait que je pense que j'ai le droit de rire. J'ai le droit de provoquer. Au lieu d'écrire un pavé de 700 pages, 800 pages sur le racisme, avec un trait de crayon, je te règle le problème. Je te fais rire. Et je te fais rire de toi-même. Ça va cesser. Vous savez, Moussa, normalement, il est malin, il est rusé, il est intelligent. Wallahi. Et il a montré, alhamdoulilah, sur l'histoire musulmane et sur l'histoire humaine, ce qu'il a pu faire avec son intelligence, avec sa souplesse. Il a pu changer la face du monde, le musulman. Qu'il soit commerçant, qu'il soit gouverneur, qu'il soit voisin, qu'il soit khalifa, qu'il soit ce que tu veux, il a pu marquer des mondes qui n'avaient rien à voir avec l'islam et dans lesquels il était minoritaire. Et aujourd'hui, on n'a même pas l'intelligence de comprendre celui avec qui on discute, avec qui nous avons grandi. Et qui partage avec nous les mêmes valeurs finalement humaines, de fraternité humaine, de respect humain. Mais qui de par son conditionnement, de par ses valeurs, dans lesquelles il a ouvert les yeux, lui qui a subi la Deuxième Guerre mondiale, dans sa chair, il a subi les ravages d'une compréhension de la religion, il pense que c'est normal, c'est voulu, c'est toléré, c'est indispensable. C'est même obligatoire d'être dans la satire, d'être dans l'humour noir, aigu, dur parfois, choquant même.
est-ce que je l'excuse en disant ça? Non. J'exprime mon désaccord. Je dis que dans ce monde où il y a des points qu'on n'a même pas le droit de dire en deux mots, il y a des points dans la France et dans le monde de la libre expression. Il y a des choses qui sont sacrées, plus sacrées que le religieux, plus sacrées que Dieu lui-même, plus sacrées que la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il est strictement interdit de toucher, même de loin. Et on trouve ça normal. Et c'est vrai, il y a des choses, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient juives, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, on fait ce qu'on veut, libre ou court. Ce n'est pas une religion, mais elle donne l'impression d'être une religion. Nous devons être reliés, liés à cette nouvelle manière de voir les choses, sinon nous sommes considérés comme des archaïques, des primitifs, des arriérés. Non, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas l'envie d'être d'accord avec des gens qui veulent critiquer avec un humour malheureux, avec des dessins malheureux, tout et n'importe quoi. C'est mon droit. Mais je n'ai pas le droit de les tuer. Je n'ai même pas le droit de les haïr. Entre guillemets, j'haïs ce qu'ils font. Et surtout s'ils le font vraiment pour exprimer une haine du cœur de l'islam lui-même, pas des représentants de l'islam d'aujourd'hui. À ce moment-là, je suis dans mon droit de les haïr dans mon cœur, d'haïr surtout ce qu'ils font. Tout en essayant de les faire avancer, d'argumenter, de discuter, de confronter la matière grise. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على محمد كالله سبحانه وتعالى apaise les cœurs كالله سبحانه وتعالى soulage les souffrances كالله سبحانه وتعالى nous aide كالله سبحانه وتعالى aide l'humanité à essayer de cheminer vers l'islam. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.